Bonjour, je suis Patrice Lobignat et je vous parle de marketing émotionnel dans l'épisode 12 dans lequel je suis gentil. Oui, on peut faire du happy marketing et être gentil. C'est ça qu'il faut adopter comme position aujourd'hui pour avoir du succès avec vos clients. Être gentil. Le happy marketing, c'est cette idée que les marques pourraient nous créer des instants de bonheur, du bonheur, renforcer notre gentillesse, nous montrer qu'elles sont gentilles, qu'elles veulent nous rendre meilleurs, qu'elles veulent notre bien finalement. Et évidemment, quand on dit ça, on a l'impression que être gentil, c'est peut-être un peu trop et c'est peut-être un peu dangereux. Alors, je voudrais répondre à la question que me pose Frédéric sur LinkedIn, d'ailleurs à un endroit dont on va reparler dans un instant. Est-ce que quand je suis gentil gratuitement, est-ce que ça ne va pas susciter la méfiance des autres? Est-ce que si je suis dans une posture d'être un commercial gentil, finalement je ne m'attire pas la méfiance? Est-ce que les gens ne vont pas me trouver un peu trop gentil pour être honnête, comme on dit? Est-ce que ce n'est pas un peu trop beau? Est-ce qu'on n'est pas dans du fake? Alors, je réponds tout de suite à Frédéric, ça dépend de ton intention. Et si ton intention, c'est la bienveillance, je dirais que quelque part, ça dépendra des réactions des autres en face. Il y a toujours des gens qui pourront penser que tu es trop gentil. Mais finalement, cette gentillesse intentionnée et positionnée sur la bienveillance, c'est ce qui va faire la différence. Et on va en parler à travers des exemples à la fois B2B et B2C, pour vous montrer que ça marche. Alors, avant ça, je voudrais vous rappeler que finalement, cette posture de gentillesse que je vous explique comme étant la mienne déjà pour commencer, c'est finalement ce qui va faire la différence quand je prends la parole. Déjà, quand je prends la parole, je suis finalement porté par trois choses essentielles qui sont un, bien sûr, transmettre des émotions, c'est la passion que j'exprime ici et que je dirige vers vous. Et ça devrait, ou potentiellement en tout cas, vous toucher au sens des émotions. La deuxième chose, j'essaye de partager avec vous un angle nouveau sur le marketing. Et donc, la nouveauté, c'est l'idée d'apprendre, de partager du savoir cette fois-ci, pas seulement des émotions. Donc, essayez de donner dans mon message quelque chose que vous ne sauriez pas avant. Et puis, la troisième chose, c'est rendre ce message mémorable. Donc, trouver des accroches avec les exemples, c'est la manière de vous dire, tiens, ben ça, je vais aller voir, et c'est ça qui va rendre mémorable la prise de parole. Eh bien, dans la gentillesse, on va réunir finalement ces trois choses-là. On va destiner à l'autre, donc on va faire preuve d'empathie. On va trouver quelque chose d'intéressant, en tout cas, qu'il pourrait ne pas savoir à mettre dans notre prise de parole. On va le faire avec émotion et on va essayer de le rendre mémorable comme un instant, quelque chose, une expérience. Donc, c'est ça qui va construire ma gentillesse. Alors, revenons à des exemples de marques. Et l'exemple le plus connu que vous voyez à travers différentes campagnes depuis des années travailler sur cette dimension-là, c'est l'exemple de Coca-Cola. Puisque Coca-Cola, c'est ouvre du bonheur, c'est donc créer du bonheur pour les autres, à la fois pour soi et en le partageant si jamais on devait partager la boisson. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de campagne? On a Happiness Truck, tous ces camions qui distribuent des cadeaux un peu partout. Vous pouvez retrouver ici sur YouTube des tas de campagnes qui ont été menées en France et bien sûr à l'étranger, dans tous les pays où Coca est présent, c'est-à-dire environ partout. C'est aussi une autre vidéo que je vous invite à regarder qui vous montre que les émotions, c'est contagieux, où on voit un homme dans le métro qui se met à rire en regardant sa tablette ou son portable et qui transmet ce rire à toutes les personnes qui sont dans le train, dans le métro. Et c'est évidemment cette contagion-là, le bonheur. Le côté happy marketing, c'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose qui naturellement va envahir finalement toute la communauté.
Et puis, je vous rappelle aussi cette campagne magnifique que j'ai beaucoup aimée, que vous retrouvez d'ailleurs sur le blog, qui s'appelle Kiss Happiness, où je vous expliquais que, évidemment, j'aurais bien aimé, comme plein d'autres, embrasser Marilyn. Donc, voilà des exemples de cette marque, il y en a plein d'autres, hein, bien entendu, qui constamment nous dit, eh bien, partageons ce bonheur ensemble et créons ce bonheur ensemble. Et là, je vous renvoie aussi à un autre épisode qui s'appelle l'alignement, dans lequel je vous explique que ça, c'est le fait d'être aligné entre mes valeurs, ce que j'exprime et ce que je suis. Donc, qui suis-je à l'intérieur ? Ben, je suis quelqu'un de gentil, naturellement. Alors, quand je m'exprime et quand je fais quelque chose, dans chacune de mes actions, j'essaye d'exprimer cette gentillesse. Donc ça, c'est très important de comprendre que c'est à la fois ma mission et le fait que mes actions soient alignées sur ma passion, ma mission et mes valeurs. Alors, on retrouve ça aussi en B2B, cher Frédéric. Alors, quand je suis dans la posture du vendeur en B2B, je m'adresse à un acheteur. Hein, on a mis cette terminologie tout à fait terrible en place. Et je voudrais vous parler d'un ouvrage qui est sorti chez mon éditeur, qui s'appelle Social Selling, écrit par Sylvie Lachkar et Hervé Cabla. Et en fait, je voudrais aller même au-delà de ça. C'est-à-dire, le social selling, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Ben, c'est cette tendance qui consiste à dire, justement, on va utiliser la force des réseaux, par exemple LinkedIn, pour essayer de se rapprocher des gens en essayant de les découvrir petit à petit, en essayant d'accumuler de la connaissance sur la personne et non pas en se centrant sur nous. Et puis, quand on a créer cette confiance, quand on a déjà la prise de parole plus facile, hein, avec une espèce de générosité et d'empathie naturelle, eh bien, on va pouvoir se connecter et puis ensuite, on pourrait arriver avec la solution. Et là, se pose cette question que, évidemment, à un moment donné, il faudrait que je dise « Ah, mais tu sais, je sais faire ça ». Et le débat, c'est à quel moment est-ce que je deviens vendeur dans ce social selling en question. Et ma réponse, finalement, est un petit peu, comment dire, jusque-boutiste, c'est l'idée que tu ne dois jamais devenir vendeur. C'est-à-dire que tu dois toujours attendre que ce soit l'autre qui te pose la question de comment est-ce que tu pourrais m'aider ou qu'est-ce que tu peux m'apporter ou qu'est-ce que tu viens faire avec moi. Finalement, quand je suis en B2B, l'idée, ce n'est pas d'arriver avec des solutions dans mon cartable, comme on le faisait avant, ou mon book. L'idée, c'est de discuter, de mener la conversation et d'amener l'autre à poser la question de « Bah oui, je comprends, c'est sympa, on a l'air de bien s'entendre, et maintenant, comment est-ce que tu pourrais m'aider ? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question-là » Et en fait, c'est ça la stratégie du social selling. La stratégie du social selling, c'est d'éviter le plus possible d'être dans la position du vendeur. Donc, ça veut dire, un, attendre que l'autre pose des questions. Donc, c'est toujours laisser l'autre poser les questions et simple, se contenter, si j'ose dire, d'y répondre. Deux, créer le désir, c'est-à-dire cette tension positive entre nous qui fait que j'ai envie d'aller plus loin. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez fort. Et puis, trois, enfin, répondre à l'envie et pas répondre aux besoins. Et en fait, répondre à l'envie, c'est se trouver dans la situation de dire oui. Et ça, c'est magique, en fait. C'est-à-dire que la gentillesse, ça consiste à dire oui à celui qui pose les questions. C'est ça qui lui donne cette impression qu'on est gentil, c'est qu'à chaque fois, on va répondre positivement à ce que lui souhaiterait. Et donc, quand on est dans la posture social selling, on évite d'entendre des gens nous dire non. C'est-à-dire qu'on évite de dire « moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça ». Voudrais-tu travailler avec moi ? Voudrais-tu que je te propose cet outil ou cette solution ? Et il serait facile de dire non. Donc, on évite ça. On se met dans la situation inverse, que l'autre pose des questions et que nous, on ait comme réponse un oui. C'est-à-dire que le bonheur va être créé par la faculté qu'on aurait, nous, de dire oui à notre client. Voilà ce que je voulais vous dire. La gentillesse, c'est dire oui aux autres. Et pour pouvoir dire oui à vos clients, eh bien, il faut leur donner envie de travailler avec vous et de vous poser les bonnes questions. À bientôt.